Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et je dois me dépêcher de faire l'intro parce que... Bah parce que la chasse a très mal tourné, quoi? Oh non, t'as triché là frère. La vue de moi il a triché les gars, allez c'est parti. Hein. Hop, j'en ai marre de tes conneries. 2, 3, 4, voilà. Ça dégage. Ok, je l'ai à peine touché, ça craint. Oh dur. Ah! Oh bah ouais, bah forcément. Alors le mode rage par contre m'a redonné de la vie, allez dépêche-toi. Oh tout Jésus. Ok c'est bon, on est pas mal. Lui il est strong hein, quand même hein. Il a l'air super strong. Désolé d'avoir fait aussi vite pour lancer l'épisode les gars, c'est terrible. Oh putain de Jésus. Ok. Ok c'est pas mal ça, c'est pas mal. Oh bien joué à lui. Ça c'était ça là. Bon par contre. Écarte-toi. Ah, ça par contre c'est nouveau, ça vient de sortir. Il me met en lave et clairement, bah je vais mourir. Je vais mourir sauf si je trouve beaucoup de vie. Ok c'est bon. La vache, c'est compliqué. Allez on est parti. Hop. Allez la moitié de sa vie. Oh là là, commencez par un boss cet épisode 5. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Et sur... Oh là, oh bah ça, oh bah, c'était expéditif, hein, clairement. J'ai rien pu faire. Le petit j'aime qui fait plaisir parce que ce God of War, incroyable. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je commence un épisode avec... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais arrêtez! Écarte-toi! Waouh! J'ai travaillé l'esquive comme Jaja, hein. Ok. C'est clairement la première fois de ma vie, voilà, que je commence un épisode, je n'arriverai jamais à finir une phrase complète. Avec un boss, sans avoir le temps. Oh, c'est beau ça, bien joué de ma part. Là, fallait qu'il mette ça, j'étais pas prêt. Ok, c'est bon, on va pouvoir le retaper rapidement. Dur, dur, dur. Ok. Ok, attendant, parce qu'on part juste derrière. Ok. Oh, c'est compliqué cette histoire. Hein. Oh là 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 là. D'où Jésus, d'où Jésus. Ok. Ouais, mais plus que deux, frère. Enfin, fils plutôt. On est parti. Oh là. Ouais, prends ça, troll. Oh, ça calme sec, c'est terrible. Hein. Hop. Allez, ça dégage. On n'en parle plus. Bon. Je suis essoufflé. Et moi donc? Et moi donc? Ah, on a quelque chose de nouveau. Comme je disais, eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 5 de God of War. Installez-vous, prenez de quoi boire et de quoi... manger, on est parti. Attaque runique puissante, attaque de zone dévastatrice qui gèle tous les ennemis présents dans le rayon. Ça, c'est pas mal. On va prendre ça. On va prendre aussi ça, je ne sais pas c'est quoi. On a donc de l'acier, on a trouvé énormément d'argent. On verra ça avec le vendeur. Et en plus de cela, regardez comme c'est beau. On a un nouveau coffre et ça... Ça, ça déchire. Les Nornes. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Ah! D'accord, donc faut se dépêcher. Alors, il faut trouver les trois cloches. Et ça risque d'être un petit peu compliqué. Là, on n'a rien. D'accord. Est-ce que si je fais ça, bougez pas. Vas-y, Atreus. Ramène-moi la chaîne, il faut que je trouve la troisième cloche. Parce que là, ça ne tourne pas rond. Où peut-elle être? Bon, j'ai deux cloches. Okay, on va essayer d'observer vraiment. Je ne pars pas sans scope, hein, j'en ai rien à foutre. Très bien, rien ici. Où est-ce qu'on va maintenant? Ah, je l'ai! Allez, c'est pas mal! Ça, c'est fait, on va fouiller cette petite zone, évidemment, avant de partir. Ok, on va se dépêcher. C'est là plus loin. Et boum! Ça, c'est fait! Allez! Il est temps de me récompenser! Qu'est-ce que ça peut être? Une nouvelle pomme! Ça, c'est bon, ça. 2 sur 3.
bientôt la santé max augmentée. Ça, c'est plutôt cool. Pas évident, hein. Pas évident, ces petites broutilles. On va essayer de trouver par ici. Hop, ça, on ramasse ça, on ramasse. Atreus, ah. J'entends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Ok. Donc, l'animal est par ici, donc on va pas aller par ici, hein, vous l'aurez compris. On va essayer de tout fouiller calmement. On avait aussi un petit peu d'argent ici. Oh là là, non, il y a trop de trucs, les gars, c'est terrible. C'est terrible, il y a beaucoup trop de trucs. C'est horrible, à chaque épisode, je vais vous dire ça, mais... Allez, on va prendre par défaut ce chemin-là, parce que c'est celui qui me semble ne pas mener à l'objectif, étant donné que l'animal est derrière. Et on va voir un petit peu ce que ça peut... Oh, Mistel. Y avoir ici. Hmm, intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Connaissance ajoutée. Très bien, ah, il m'a chié dessus. Ok, donc il a pris les lettres, il les a mis dans sa poche. Bye bye, hein, on n'en parle plus. Bon, c'est pas grave, j'ai augmenté mes connaissances, c'est des choses à lire. Peut-être importantes, alors si ça vous intéresse vraiment de lire tout ça, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Dites-le moi, je ferai un tour dans le journal vers la fin du jeu ou le milieu du jeu. Et vous ferez un petit récap, vous mettrez pause quand vous voudrez lire. Ou pourquoi pas un épisode entièrement de lecture, hein, ça peut être cool aussi. On est parti, on continue. On s'est débarrassé. Mine de rien, on l'a géré le boss, hein, les gars. On sortait qu'on voyait. Hop, ça en ramasse, un petit trésor. Pas mal. On continue encore. J'ai augmenté un petit peu la luminosité parce que vous étiez nombreux à dire boy, ah, c'est encore un peu trop sombre. Mais justement, le rendu doit être tel que dans une grotte ou dans le noir, tu ne vois pas. Et bon, ça gênait certains, donc pas de soucis. J'ai augmenté un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. On est parti. Et quand on va voir cette bête. Ah, on revient dans la neige. Très bien. Ça sent pas bon. Hein. Si ça, c'est un sanglier, frère. Enfin, fils, plutôt. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. D'accord. On est toujours dans l'apprentissage. Hop, du gamin. Ok. Compliqué cette histoire. Mais quoi? Je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier nordique. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Oh là là, Atreus et moi, on est pareil, putain. J'ai dit c'est un sanglier nordique, il a dit c'est un sanglier magique. Mais bien reste sûr. Sur tes gardes. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Ok. Quelle est cette sombrerie? Les yeux d'Odin. 1 sur 51. D'accord. Les gars? Y a quelqu'un par ici? Ah! Putain! Faut que j'arrête d'appuyer sur carré comme ça, c'est terrible, il me fait tellement peur. Ok, allez, on ramasse ceci! Ça se forme. Oh, y a beaucoup de. En vrai. Appartiennent à ces créatures étranges. Hop, il rigole zéro hein, quand il ouvre. C'est limite kiffant quand il ouvre. Quand il ouvre un coffre. Ok, bien, très bien. Ça en dégage, j'ai pas le temps pour vos conneries. On a rien non plus ici. On fouille tout hein, on se met bien. Y'a aussi des drogards ici. C'est possible. Ils se sont peut-être battus. Ah oui, vu la gueule qu'ils ont. Que Jésus de Nazareth leur vienne en aide, si je peux me permettre. Ok, ah, on a quelque chose de l'autre côté, j'y vais de ce pas. Ça c'est pas mal, on en ramasse vraiment pas mal. Hein. 6 sur 9. Plutôt cool. Et on a aussi pas mal d'XP d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller s'équiper d'une rune qu'on avait ramassée qui était l'enclume d'Ivaldi? Ok, permet de déverrouiller une attaque après la frappe initiale. Attendez. Ok. Ça a l'air très simple à utiliser. Il faut appuyer sur R2 si j'ai bien compris. Enchantement, vous êtes équipé d'une pièce d'armure pardon, contenant un emplacement d'enchantement. D'accord. Les enchantements peuvent uniquement être placés sur les pièces d'armure. Ils confèrent des bonus stats. Mais est-ce que je pourrais les retirer? Certaines pièces d'armure peuvent posséder jusqu'à 3 emplacements d'enchantement. Appuyez sur carré pour sélectionner celui-ci. Très bien. Ensuite, c'est là. Et on va mettre le symbole de persévérance qui augmente donc normalement, si j'ai bien compris, ma défense. Plus 2. Ok, c'est pas mal. Ok, jusqu'ici, on va rien prendre. J'ai pas assez d'XP. On est pas... Oh ouah. Putain, d'où Jésus. Allez.
Oh la vache! Ce coup ultime, les gars, qu'on a déverrouillé l'épisode précédent. Incroyable! Ce qu'il inflige. Il y a de la brume d'un coup, là, les gars. Ça sent pas bon, hein. Comme disait Maître Gim, ça sent la douille, hein. Là, il est passé en dessous. Allez, viens. Oh là, il est foutu le sanglier, hein. Ce sanglier... Oh, il est là. C'est un beau sanglier magique, hein. Vous voyez, chaque zone, faut bien fouiller. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme. On se détend. La précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue. On dirait un gamin où tu lui dis « Dépêche-toi, va, fonce, va acheter ton pistolet à eau. » Ok. Kratos sent la douille. Hein. Atreus. Ah, ça sent pas bon. Le chemin de la montagne, trouver Atreus. Atreus Maximus Nimbus, né d'un père assassiné et d'une mère assassinée où aussi. Où es-tu? Ok, c'est par ici. Ok. Atreus! Il ralentit! Là, ils font genre, je suis en stress. Gros, quand ton daron t'appelle comme ça, frère, tu te dépêches d'y aller, hein. T'arrêtes tes conneries, hein, Atreus, hein. Ok, c'est pas par ici. Ah, peut-être, attendez. J'ai cru voir. Non, pas du tout. Attends-moi, Atreus! Ouh là 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 là, tu es où? Atreus! C'est pas où il pète ! Merde, c'était à gauche, forcément. Forcément, ça va, il n'y a qu'un chemin. C'est pas un trap. Ils auraient pu être très punitifs. Qu'est-ce que tu as fait ? Pardon ! Atreus ! Quoi ? On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? M'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit, maintenant. Tenez-le. Bien. Dommage qu'on ne voit pas. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Sunan Foka. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Eh bien oui, les amis, il faut sauver la nature, c'est très important. Bon, il est énorme, hein, le bordel. Je le porte normal, tout va bien. Il a des beaux yeux bleus, en tout cas, hein. Sortez que le sanglier, les gars. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Oh, elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. Oh, c'est tellement magnifique. Regardez les pétales et tout voler, juste regardez, on se pose. C'est tellement magnifique. On y va. J'aimerais me battre ici. Dans un endroit comme celui-ci. Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas. Oh, c'est une tortue! Il est gentil. Atreus.
Faites-moi confiance, il ne craint rien. Tu me lâches là-dedans, trois coups de hache, je graille tout, les gars. Je suis Kratos ou pas, bordel? Oh, elle est tellement bien faite. Il est inoffensif. Je peux passer ou pas, frérot? Je passe, hein. Regardez les textures, regardez les textures. La peau, énorme. Magnifique, magnifique cette petite séance. Vite. J'espère qu'on en... qu'on en croisera plus souvent. Oh, c'est bon, calme-toi, respire, frère. Posez-le sur ce symbole. Oh, il a vomi, hein. Il m'a gerbé partout. Oh, c'est dégueulasse, putain. Hein. Faudra passer un petit coup de balai après. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi? C'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied? Quoi d'autre? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Incroyable! Les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu, putain, c'est sublime. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Bien évidemment, vous l'aurez compris, certains l'appellent God of War 4, mais ce n'est pas God of War 4, c'est God of War. On part sur une nouvelle mythologie. Néanmoins, c'est bien la suite du 1, du 2 et du 3. Il a toujours sa cicatrice à l'œil droit. Quand il mettait ses bandages au tout début du jeu, la toute première cinématique, c'était vite. Pour cacher les cicatrices de ses chaînes, hein. Et donc, il est parti dans un autre royaume nordique où il y a de nouveaux dieux. C'est donc bien la suite, mais ça ne porte pas le nom. Hein, ça porte bien évidemment uniquement le nom God of War. Je pense très clairement, voilà ma théorie, que là, ça va être un ou plusieurs jeux dans la mythologie nordique. Et qu'après, on attaquera sûrement une autre mythologie avec une autre trilogie. Je ne vois que ça. Je pense que c'est pas trop dégueu, ou pourquoi pas Atreus. Quoi qu'il en soit, ah, je l'ai trouvé. Quoi qu'il en soit, le 1, 2, 3, c'était le passé de Kratos, d'accord? Ça ne s'efface pas. On est parti rejoindre Atreus. Je pense que, en fait, si vous voulez, dans cet épisode, dans ce jeu, on va dire la vérité à Atreus. Ne spoilez pas dans les commentaires, vraiment. Hein. J'ai une équipe de modo très très solide, attention. Je pense que, voilà, dans cet épisode, c'est apprendre à mon gamin à grandir. Et dans les autres, il sera grand. Avec ça, peut-être. Et les dieux s'attaqueront à nous. Je l'ai fait tomber? Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu? Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. Et ça explique aussi le comportement virulent de Kratos, qui n'aime pas les gens et qui parle plutôt trop sèchement à Atreus, qui n'a pas cette patience. Parce que tout son passé, je pense que c'est un énorme poids et fardeau sur son épaule. C'est aussi peut-être pour ça qu'il ne veut pas, et c'est même sûrement pour ça qu'il ne veut pas en parler à Atreus, parce qu'il n'est pas prêt pour le moment. On est reparti, on va lui apporter la fleur.
exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Louina. Louina. Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra ? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Prenez le bateau. Attends. Prends ça. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin. Elle pointera toujours vers ton objectif. Allez, boussole de la sorcière. Grâce à ça, on va pouvoir connaître notre objectif, accéder au bateau. Je vois le bateau. Zone découverte, grotte de la sorcière. Donc, plutôt une bonne nouvelle, cette sorcière est gentille. Je pensais vraiment qu'elle allait me faire un petit coup de Trafalgar. Mais pas du tout. Hop, je récupère ma hache. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est. Hop, je prends mes précaux, hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose ici, hein. Allez, ça dégage. Boum. Ça dégage totalement. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a un truc intéressant. On a un truc intéressant que je vais devoir pousser très rapidement. C'est pas trop lourd. Si. Ça a pas l'air lourd pourtant. Il va se poser. Forcément. Il commence déjà à se poser des questions. Ok, j'ai vu un coffre très intéressant. Heureusement qu'on n'a pas tracé. Vous voyez, à chaque zone, il y a vraiment des coffres. Et plein de choses assez cool à ramasser. Hop, ça je prends, on sait jamais. Donc on a un coffre ici. Ok, très bien. Est-ce que c'est... Ah... Oh, d'où Jésus. Allez, on est parti. On va pousser ça directement dans l'eau pour en créer une plateforme. Atreus, je te demande pas de m'aider, hein, forcément. Je doute que ça risque d'être difficile. Non, il s'assoit normal, il me regarde. C'est le souci. Il y a vraiment un degré de détail impressionnant. On en est qu'au 5e épisode et pourtant, il y a un degré de détail. Ça fait, comme disait mon grand-père, firebomb them. Tu vois ce que je veux dire? Hop, ça dégage. J'ai pris une plateforme. Ne touche pas l'eau. Pourquoi? Tu sais ce qu'il y a sous la surface? Non. C'est tout noir. Alors, ne touche pas l'eau. Il est énorme. Ok, mais qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Quelque chose qu'on n'a pas. Ok. Il faut peut-être quelque chose que l'on n'a pas. C'est très intelligent, mais alors qu'est-ce que je n'aurais pas? Des palmes peut-être. Ok, je pense que il faut faire demi-tour, il faut écouter Atreus. Il a pas tort ce gamin. En tout cas pour le moment. Peut-être aller voir de l'autre côté. On a des boules ici. Qu'est-ce que c'est? Hop. Ça en prend. Oh le... Oh ça dégage. Allez boum. Allez, heureusement qu'il est là, Atreus. Grâce à lui, j'ai pu les choper. Putain, c'est énorme. Maman me parlait d'eux. Je pensais pas qu'ils existaient, vraiment. Des cauchemars. Oui. Ils te donnent des cauchemars. À moins que ce soit eux, les cauchemars. Je me souviens plus. Si seulement ils avaient une maman. Écoute, ta maman ne reviendra pas. Ok. Bon, on va passer par ici, donc. Jusqu'ici, c'est la bonne route. On a un très beau coffre.
Peut-être d'ailleurs le nouvel accessoire qui nous manque. Oh oui. Oh oui. Quelle est cette sombrerie? Allez, talisman de vitalité concentré. Octroie un regain de santé. D'accord, affiché dans le menu. Ok. Y'en a pas compris. D'accord, je l'active en dernier. Appuyez sur L1 et rond pour l'activer. L1 plus rond. J'y penserai, mais il y a tellement de choses que j'ai déjà oublié. Atreus, c'était quoi déjà? Avec moi. Atreus, essaye pas de partir. Petit couscous. Sinon, je vais te manger très rapidement. Et on sait jamais, hein. Je trouvais que c'était bizarre. C'était bien droit. Bon. Oh, 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 oh. Attendez, attendez. On atteindra la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. D'accord. Bon, bah bien malheureusement, ça ne sert à rien là ce que je suis en train de faire. Je pensais. Il y a quelque chose ici. Mais je peux pas y accéder. De toute évidence, on peut pas encore pour le moment. Il faudra, je pense, revenir. J'espère ne pas faire de bêtises. Parce que c'était quand même un très gros coffre. Ce serait dommage. On est parti en trace. Suivez le marqueur de la boussole jusqu'à votre nouvelle tâche. Très bien. Mais qu'est-ce que ça pouvait être? Attendez, je me pose des questions. J'ai peur. J'ai peur d'avoir loupé quelque chose d'incroyable. Voilà la montagne. On est tellement proche. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. J'ai envie de faire demi-tour. No fake, je fais demi-tour. Je sais pas si on reviendra. Franchement, je fais demi-tour. On se retrouve là-bas. Et si jamais il n'y avait vraiment rien à faire, on se retrouvera ici parce que je me pose beaucoup trop de questions et là, c'est terrible. Allez, à tout de suite, tout le monde. Bon, re tout le monde, je vais être honnête avec vous. J'ai fait le tour 2-3 fois. Il n'y a rien, j'ai tout essayé. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois, je pense, qu'on reviendra par ici. Ou du moins, je l'espère. Et au pire, n'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai loupé quelque chose, ce qui est possible. Et j'y retournerai si on peut. Le lac du tonnerre des neufs. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh, ça doit être Baldur. Baldur. Mon dieu As, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Parce que je lui ai mis tellement ce qu'il méritait, bordel de merde! C'est par ici? Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit « Sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. » On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? La hache n'est pas revenue. Maman disait qu'il est jaune.
t'as vu? Et ça, c'est la statue de Thor, sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai, là, à côté du drapeau. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Oh, je ne pense pas. C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'apparaît plutôt grand. Très bien, on a des petits trucs à gauche, à droite. Il faudra qu'on aille vérifier. Ça serait dommage de foirer un quai. On dirait, regardez, on dirait un dieu. Non, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais chaque stèle, un dieu à voir. En tout cas, c'est tellement impressionnant. 1, 2, 3, tiens, il y a encore le serpent au monde. 4 là-bas. Waouh, c'est juste fou. Allez, on va sur le quai. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur ce God of War. Parce que là, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Ça va être incroyable. Quand nous voudrons reprendre notre quête, nous reviendrons ici. À très bientôt tout le monde. C'est là depuis combien de temps? Ciao, ciao. Depuis très longtemps.